à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter un IGP Coteaux de l'Ardèche, millésime 2011, cuvée Inès du domaine Vigier. Le domaine Vigier a été créé en 1789 et ça fait de lui le domaine le plus ancien de l'Ardèche méridionale. Ils sont situés à Lagorce et possèdent une surface cultivée de 110 hectares. Alors, ils sont implantés entre le ruisseau de Libye et les forêts de chênes, ce qui permet à la vigne de se développer dans un sol argilo-calcaire, recouvert de galets déposés par le ruisseau. C'est une affaire familiale et aujourd'hui les enfants mettent leur talent au service de cette entreprise en ayant chacun un rôle bien défini pour le bon fonctionnement de cette dernière. Donc du côté de la vigne, on va retrouver Stéphane Dupré qui va essayer de conduire la vigne de manière la plus biologique possible. Il n'utilise pas de désherbant, il utilise des engrais biologiques. Il va sélectionner avec des critères bien précis tous ses plants. Et il va essayer d'avoir une production moyenne de 42 à 45 hectolitres par hectare pour une année normale. Du côté du vin, on va retrouver Grégory Dupré qui va essayer d'intervenir le moins souvent possible sur les vins afin de laisser faire la nature le plus possible. Et du côté du commerce, on va retrouver David qui a pour objectif d'instaurer un excellent rapport qualité-prix car pour lui, le consommateur doit avoir accès à un très bon vin pour un prix très raisonnable. Alors de nos jours, le domaine de Vigier a une gamme de cuvées dont la typicité représente vraiment son terroir. Au niveau de cette bouteille, on voit que c'est une bouteille qui a de très très belles formes. Il a une étiquette en deux parties, la partie du haut on va retrouver le millésime. Au niveau de la capsule, c'est une capsule qui a des couleurs assez claires, avec en doré le logo des vignerons indépendants. Alors, je ne sais pas si on va le voir très bien, hein, parce que c'est pas facile sur ces couleurs-là, avec la luminosité. Voilà. Et on va retrouver le nom de la famille, donc Dupré et fils. C'est la famille qui tient le domaine Vigier. Donc sur l'étiquette, comme je vous ai dit, sur la partie haute, on retrouve le millésime, qui est avec un filet doré. Voilà. Sur le bas, on trouve le nom de la cuvée, du domaine, l'appellation. Et de nouveau, le petit logo des vignerons indépendants. Voilà, bah vous le voyez pas beaucoup plus, mais finalement vous l'aurez reconnu. Au niveau de la contre-étiquette, on va retrouver un petit laïus sur l'assemblage et sur les conseils de dégustation, les coordonnées de la famille Dupré et le degré alcoolique qui est de 14 degrés. Voilà, ça par contre, vous avez réussi à le voir. Alors c'est un vin qui a une robe jaune or, c'est un vin qui est soyeux, délicat, il possède des arômes d'agrumes et c'est un vin qui accompagne parfaitement tout ce qui est poisson, fromage, comme par exemple le picodon de l'Ardèche ou encore tout ce qui est fruits de mer. Au niveau des cépages, on a du chardonnay et du viognier. Et c'est un rendement de 30 hectolitres par hectare, donc c'est un rendement qui est quand même assez faible. Ce sont des vignes qui ont à peu près 25 ans, et c'est un vin qui est élevé 8 mois en barrique. Voilà, au niveau des dernières récompenses, il a été cité dans le guide Achète des vins en 2012, il a reçu la note de 85 sur 100 au Gilbert et Gaillard 2014, et il a reçu la médaille d'argent au concours général agricole de Paris en 2014. Voilà, j'espère que tout ça vous a donné envie de découvrir ce vin, découvrir le domaine. Si vous êtes professionnel, n'hésitez pas à nous contacter via le lien dans la description sous la vidéo. Professionnel ou non, aimez nos vidéos, partagez-les, commentez-les, abonnez-vous et je vous dis à bientôt.